Bonjour à tous et bienvenue dans Futur Mag. Aujourd'hui, nous sommes à Paris, dans les murs de l'hôpital Rothschild, un établissement, vous allez le voir, spécialisé dans le traitement de la surdité. Bien entendu, l'émission se déroule aussi sur les réseaux sociaux, sur Internet. Alors n'hésitez pas, arte.tv/futurmag. Mais tout de suite, place au sommaire. Cette semaine, Futur Mag s'envole pour l'Allemagne, à la rencontre de Rachel. Devenue totalement sourde il y a plus de 20 ans, elle peut de nouveau entendre parfaitement et retrouver une vie normale. Et cela, grâce à un petit bijou de haute technologie et la toute dernière génération d'implants cochléaires. Je comprends beaucoup mieux les paroles et également toutes sortes de bruits, que ce soit les oiseaux ou la musique, des bruits que j'avais oubliés. Puis retour en France, à Nanterre plus exactement, où un étonnant projet vient de voir le jour. Récupérer la chaleur des égouts pour chauffer tout un quartier. Et enfin, direction l'Inde, à la découverte d'une innovation sur le point de changer la vie de milliers d'agriculteurs. Un procédé capable de refroidir et de conserver le lait longtemps après la traite, malgré les coupures d'électricité fréquentes dans ce pays. On en gâchait trop, on était mal payés. Maintenant qu'on peut préserver le lait, on peut gérer l'abondance, car on est sûr de tout vendre. Nous sommes toujours dans l'hôpital Rothschild pour notre rubrique consacrée à l'homme, dans laquelle nous allons évoquer les dernières innovations concernant le traitement de la surdité. Mais avant de vous en dire plus, regardons cette animation pour bien comprendre le fonctionnement de l'audition. Un son est toujours produit par une vibration, comme la vibration d'un tambour ou celle des cordes vocales. Ces vibrations se propagent dans l'air sous la forme d'une onde. Pour rendre le son intelligible, l'homme dispose d'un organe complexe, l'oreille. Les ondes sonores sont déviées par le pavillon et concentrées vers le conduit auditif à la manière d'une parabole. Le tympan transmet d'abord les vibrations aux osselets, puis à l'oreille interne. C'est là, dans la cochlée, que se fait le véritable traitement des sons. Dans cette spirale osseuse remplie de liquide, 24 000 minuscules cils vont capter les vibrations, puis les transmettre au cerveau sous forme de micro-signaux électriques par le nerf auditif. Une perte d'audition se produit lorsqu'une ou plusieurs parties de l'oreille sont déficientes. C'est le cas de 360 millions de personnes dans le monde. Dans 10% des cas, la surdité est profonde. Un appareil est alors indispensable pour retrouver l'audition. Guérir la surdité, cela fait des décennies que les chercheurs s'y attellent. Réentendre parfaitement, ou presque, après avoir perdu l'ouïe, aujourd'hui c'est possible grâce à ce que l'on appelle les implants cochléaires. Nous partons tout de suite à Hanovre, dans le nord de l'Allemagne, à la rencontre d'une patiente qui vient d'être équipée d'un appareil dernière génération. À Paderborn, en Allemagne, Rachel est maître nageuse à la piscine municipale. Pourtant, elle aurait pu ne plus jamais exercer ce métier. Continue à nager, c'est bien. Détends-toi. À l'âge de 19 ans, Rachel perd ses capacités auditives à la suite d'une mononucléose infectieuse. Lorsque je suis retournée au travail, j'ai remarqué que j'avais des problèmes pour entendre dans un environnement bruyant comme celui-ci. La communication s'est détériorée. Il y avait des situations où je ne réagissais pas comme j'aurais dû réagir. Parfois même, des nageurs me couraient après autour du bassin et je n'avais même pas remarqué qu'ils étaient derrière moi. À 24 ans, Rachel s'équipe d'une simple prothèse auditive, généralement prescrite en cas de perte d'audition inférieure à 80 décibels. Mais au fil des années, la surdité de Rachel s'aggrave, ce qui remet en cause son travail. Lorsqu'en 2009, c'est devenu de plus en plus grave, le médecin m'a renvoyée chez moi parce qu'il doutait de ma capacité à sauver quelqu'un et à mener à bien une opération de sauvetage. En effet, la surdité de Rachel est due à une détérioration de la cochlée. Cette pathologie est celle qui touche tous les sourds de naissance et provoque une perte d'audition profonde. Dans ce cas, une seule solution existe, la pose d'un implant cochléaire qui nécessite une intervention chirurgicale. Située dans l'oreille interne, la cochlée est un organe creux en forme d'escargot, tapissé d'une multitude de cils microscopiques.
Cécile transforme les vibrations sonores en signaux électriques, transmis par le nerf auditif jusqu'au cortex cérébral. Lorsque la cochlée est endommagée, les cils envoient des signaux intermittents, ou même aucun signal, ce qui se traduit par une perte d'audition ou la surdité. La pose d'un implant cochléaire consiste à installer dans la cochlée un fil métallique chargé de 16 électrodes, prenant ainsi le relais des cils défectueux. Contrairement à un simple appareil auditif externe porté principalement par les personnes âgées et qui ne fait qu'amplifier les sons, l'implant permet de remplacer les cellules endommagées. Ainsi, cette technologie médicale révolutionnaire est capable, même en cas de surdité profonde, de restaurer jusqu'à 70% de l'audition. En 2010, à 39 ans, contrainte par la perte de son emploi, Rachel se résout donc à se faire poser un implant sur chaque oreille. J'ai mis du temps à me décider parce que je pensais que c'était toujours mieux d'entendre de manière naturelle plutôt qu'électronique. Rachel choisit alors les implants d'Advanced Bionics, une entreprise américaine basée à Hanovre, spécialisée dans les implants innovants et à la pointe dans le traitement du signal sonore. L'implant cochléaire est constitué de deux composants essentiels. D'une part, l'implant lui-même. C'est la partie interne qui est implantée dans la tête lors de l'opération. Et la partie externe que l'on appelle processeur audio et qui en général est portée derrière l'oreille. L'implant cochléaire est un implant électronique. Le message sonore est d'abord capté par un microphone accroché à l'oreille. Ce boîtier, à la façon d'un mini-ordinateur, analyse les sons et les convertit en signaux numériques. Ces signaux sont envoyés à une petite antenne fixée sur la tête grâce à un aimant. Comme un relais, cette antenne transmet les informations au récepteur qui a été implanté sous le cuir chevelu. Le récepteur décode ces données et stimule les électrodes placées dans la cochlée, ce qui permet d'envoyer des signaux clairs au nerf auditif que le cerveau interprète alors comme des sons. Pour Rachel, la pose de l'implant est une réussite. De retour au monde sonore, elle reprend progressivement le chemin du travail. Maintenant, tu tournes et tu nages jusqu'à ta sœur. Continue à nager. Allonge les bras. Cependant, la partie externe de son implant ne résiste pas à l'eau. Rachel ne peut pas se baigner avec et doit donc accepter un emploi à temps partiel. Quelques mois plus tard, elle connaît un nouvel espoir. L'entreprise américaine crée un implant totalement étanche. Baptisé Neptune, il est le seul et unique implant cochléaire de ce type au monde. C'est mon appareil, la partie visible, en deux parties. Là sur la tête, voilà, je peux l'enlever. Il y a un petit microphone dessus, et ça peut aller dans l'eau. Et je le remets sur ma tête grâce à l'aimant. Après avoir porté pendant des années un appareil auditif, ne rien avoir à l'oreille, c'est quand même mieux. Cette fois, l'appareil externe est composé d'un boîtier qui s'accroche aux vêtements, tandis que le micro se trouve directement sur l'antenne. Grâce à cet implant, Rachel a pu retrouver un emploi à temps complet. Mais la firme américaine va encore plus loin. Récemment, elle a développé un implant doté d'un micro directionnel. Situé sur le dessus du boîtier, il améliore la perception de la parole en environnement bruyant. Cet appareil analyse d'où proviennent les sons. Il privilégie ainsi le son qui vient frontalement, comme la voix, et tous les sons environnants, comme par exemple les bruits d'ambiance dans un restaurant, sont atténués. L'implant cochléaire, aussi performant soit-il, est un appareil électronique et il nécessite donc un contrôle régulier auprès d'un audiologiste. Rachel se rend à la clinique pour sa visite annuelle obligatoire. Ah, bonjour. Bonjour, madame Dix. Comment ça se passe, votre audition? Ça va très bien. Seulement, le son d'ambiance à la piscine pourrait être un peu mieux. D'accord, donnez-moi votre appareil. Lors de la séance, l'audiologiste vérifie le bon fonctionnement de l'appareil et en modifie les réglages si besoin. Alors là, je vais vous jouer quatre sons différents, et vous allez me dire si vous les percevez tous de la même intensité, ou s'il y en a un plus fort que l'autre. Le but de ces réglages est d'améliorer sans cesse la transmission des sons, afin que le patient les perçoive le plus fidèlement possible. J'entends presque comme avant. Cela m'a pris un an jusqu'à ce que je perçoive la voix de mon mari exactement comme je l'avais dans mes souvenirs. Pendant les six premiers mois, je l'entendais avec une voix de Mickey.
En effet, pour les personnes implantées, entendre ne va pas de soi et demande en parallèle un apprentissage de manière à réapprendre à son cerveau à identifier les différents sons. Aujourd'hui, il m'arrive encore d'entendre quelque chose et de ne pas savoir ce que c'est. Un exemple classique, une fois à la piscine, quelqu'un utilisait un sèche-cheveux derrière moi. Je savais que j'avais déjà entendu ce bruit, mais je devais réfléchir pour savoir ce que c'était. Et ce n'est que quand j'ai regardé que j'ai compris, ah oui, la personne derrière moi utilise un sèche-cheveux. Tous ces implants sont super, mais l'aspect humain, ma capacité à entendre, sont nécessaires et doivent travailler ensemble. 4 ans après son opération, Rachel a retrouvé une qualité d'audition optimale. Je comprends beaucoup mieux les paroles et également toutes sortes de bruits, que ce soit les oiseaux ou la musique, des bruits que j'avais oubliés. Et c'est grâce à cet implant que c'est devenu possible. Sinon, je serais aujourd'hui dans un monde de sourds, un monde auquel je n'ai pas envie d'appartenir. Je veux entendre. J'ai toujours voulu entendre. De retour à Paris, à l'hôpital Rothschild, où je suis en compagnie du professeur Bruno Frachet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'audition. Oui. J'avais envie de vous demander d'abord, est-ce que toutes les personnes qu'on croise avec un appareil sont équipées d'implants cochléaires ? Non. Ici, c'est une prothèse classique qu'on connaît tous. Hein. On a parlé du sonotone dans le temps, mais voilà la prothèse que 500 000 personnes achètent par an. Donc c'est un gros volume. En France ? En France, absolument. Et donc ce dispositif est porté autour de l'oreille et rentre dans le conduit auditif. Et il ne fait qu'amplifier le son ? Il ne fait qu'amplifier le son. Et l'implant cochléaire, lui, qui est ici ? Alors l'implant cochléaire que vous voyez, c'est un dispositif qu'on utilise quand ce dispositif, cette prothèse conventionnelle, n'est plus efficace. L'implant cochléaire concerne combien de personnes en France aujourd'hui ? On pratique environ 1200 implantations par an en France. Donc on voit la différence entre les 550 000 prothèses et les 1200 implantations cochléaires en France. Et pourquoi ce chiffre ? Parce que c'est une raison financière ou... Alors il y a deux choses. Il y a la première, c'est que tout le monde n'a pas besoin, heureusement, d'une implantation cochléaire. Hein. Et le deuxième point, c'est aussi que ce dispositif est très onéreux. Donc à peu près 22 à 25 000 euros par dispositif, c'est-à-dire pour l'ensemble de ce dispositif. Ça, c'est un implant moderne. Quelle est la différence avec ceux qu'on utilisait il y a déjà 50 ans ? Alors, vous voyez comme c'est cette petite taille d'électronique. On avait une électronique qui était beaucoup plus grosse. Le problème de l'énergie n'était pas réglé, c'est-à-dire que c'était un système en fil à fil. On perçait la peau pour envoyer du courant électrique. Donc là, ça passe par un système d'aimantation. Ce système en contour d'oreille était en fait initialement un boîtier, voire même une grosse sacoche, parce que l'électronique était très volumineuse. Et la qualité auditive qui en résulte a augmenté ? Alors ce qui est très étonnant, et c'est un peu pour moi toujours une, pas une énigme, mais au moins un questionnement, c'est que ça fonctionne de mieux en mieux. Sans doute parce que c'est beaucoup plus confortable, que les personnes l'utilisent pendant longtemps, si bien qu'en utilisant longtemps ce dispositif, eh bien, ils ont des performances qui sont accrues. Donc globalement, c'est véritablement une révolution. Et vous vous attendez à de nouveaux progrès ? Quels seraient-ils ? Alors les nouveaux progrès que vous allez voir dans les quelques années qui viennent, c'est la disparition de cette partie extérieure, avec mise en place sous la peau, Ah, de la totalité du dispositif ? La totalité, exactement, c'est-à-dire le microphone et les piles. Parce que l'espérance de vie d'un appareil comme ça est limitée. Cette espérance de vie est donnée pour environ 10 à 12 ans, une garantie de 10 ans. Donc il faut le changer quand ça tombe en panne. Et ça, on peut imaginer faire des progrès là-dessus, d'avoir des implants définitifs ? C'est la fiabilité de l'électronique. Ce système fonctionne en milieu humide. C'est déjà énorme comme qualité, hein, c'est-à-dire que un système qui est utilisé 12 ou 13 heures par jour, fonctionnant dans de l'eau pendant 10 à 12 ans, c'est vraiment très fort. Votre téléphone ne fait pas ça. La surdité, ça n'est pas simplement ne pas entendre, ça a aussi des conséquences sur la cognition, sur les capacités du cerveau. Là, on commence à démontrer que mieux vous entendez, moins vous vieillissez. Et il y a même des chiffres, c'est-à-dire, vous avez 70 ans par exemple,
Si vous avez une perte de 25 décibels, ce qui n'est pas énorme, vous avez un état cognitif qui est égal à celui de 77 ans. Grossièrement, vous avez 7 années d'avance sur le déclin cognitif. Donc c'est pour ça qu'on milite tous pour faire en sorte que la population entende bien. Mais pourquoi ? Ben, parce que les réserves cognitives que vous allez utiliser à essayer de comprendre ce qu'on vous dit, vous n'allez pas les utiliser à faire des relations avec vos souvenirs. C'est-à-dire vous allouez des ressources intellectuelles à comprendre, mais pas à traiter l'information. Donc mieux vous entendez, mieux votre cerveau recueille des informations, plus elle va les utiliser et moins vous allez vieillir. Merci beaucoup, professeur, d'avoir répondu à nos questions et bonne continuation dans vos recherches. Et vous pouvez évidemment retrouver l'intégralité de cette interview ainsi que des vidéos et des informations supplémentaires sur arte.tv/futurmag. Notre rubrique terne, nous nous sommes glissés dans les sous-sols de l'hôpital, au niveau de la chaufferie où il règne une chaleur infernale dégagée par tous ces tuyaux. On parle de chaleur fatale, de chaleur perdue car elle est produite involontairement et surtout elle ne sert à rien, ni à personne. Et vous allez voir que ce type de déperdition énergétique est omniprésent dans notre quotidien. En posant la main sur son ordinateur allumé, on constate que l'appareil est chaud. Cette chaleur est inévitable car un courant électrique produit toujours de la chaleur. Mais cette énergie n'est pas voulue, elle est fatalement produite. Et on ne la retrouve pas seulement dans les appareils électriques. Dans une centrale thermique, par exemple, plus de la moitié de l'énergie produite est perdue sous forme de chaleur. C'est la même chose avec les gaz d'échappement des voitures, une usine de traitement de déchets ou l'eau du bain qu'on vide. Si l'on parvenait à récupérer toutes ces chaleurs fatales et à les redistribuer dans les foyers, les économies seraient colossales. On estime que la moitié de l'énergie produite en Europe est perdue. Ce qui représente 500 milliards d'euros. Tout le problème réside donc dans le développement de réseaux de récupération. Avec l'enjeu autour des économies d'énergie, certaines agglomérations ont déclaré la guerre à cette chaleur gaspillée. En France, Nanterre a été une des premières villes à aller récupérer des calories dans les égouts. Nous partons tout de suite à la rencontre de Bernard Saunier, l'entrepreneur qui a lancé ce projet innovant. Vaisselle, machine à laver, douche, des eaux chaudes sont évacuées et déversées par milliards de litres dans les canalisations pour finir dans une station d'épuration. Elles coûtent cher à traiter et ne rapportent rien. Pourtant, ces eaux ont un fort potentiel énergétique. Fort de ce constat, Bernard Saunier, un entrepreneur, et Patrick Jarry, le maire de Nanterre, imaginent un projet original. Bonjour, monsieur le maire. Monsieur Saunier, vous allez bien ? Ça va. Tout commence en 2008. Le maire de Nanterre décide de construire pour sa ville un écoquartier de 650 logements pour près de 2000 habitants, avec des bâtiments qui répondent à des normes de construction très strictes pour éviter tout gaspillage d'énergie. Bernard Saunier, lui, vient de rapporter en France une nouvelle technologie pour récupérer les chaleurs perdues des eaux usées. J'ai eu la connaissance de la construction de cet écoquartier. Nous sommes donc rapprochés de monsieur le maire pour lui faire part de ce procédé. Je connaissais un peu toutes ces questions-là, puisque je suis ingénieur de formation, ingénieur thermicien, et donc je sais évidemment qu'on peut produire la chaleur de mille et une manières. Alors évidemment, il fallait que Bernard Saunier vienne me suggérer que peut-être on pouvait aller chercher la chaleur dans les égouts. C'est donc sous terre que tout se passe. En 2011, la ville se lance et installe tout un dispositif. 200 mètres de canalisation reliés à l'écoquartier. Une innovation écologique car les eaux usées vont aider à produire de l'énergie sans aucune émission de CO2. Mais c'est surtout un système ingénieux car il peut se poser sur un réseau déjà existant. Pour comprendre le principe et le fonctionnement, il faut descendre là où personne ne descend jamais, dans les égouts. Ce que vous voyez, ce sont des eaux usées. Elles ont une température entre 10 et 20 degrés, même en hiver. Et cette chaleur relative est disponible toute l'année.
Ces os s'écoulent sur ce qui ressemble à une simple gouttière. Une gouttière plus complexe qu'il n'y paraît et qui constitue la première partie de l'innovation, un échangeur thermique. Alors je marche sur l'échangeur. Un échangeur, ce sont deux plaques en inox qui sont l'une au-dessus de l'autre. Et entre les deux plaques, on a une eau qui se charge de la température des eaux usées qui s'écoulent à la surface. Grâce aux deux plaques en inox, un matériau conducteur, l'eau qui circule ici en bleu entre les plaques se charge de la chaleur des eaux usées et passe ainsi de 4 à 11 degrés. Cet échangeur thermique est la clé du dispositif. Un dispositif conçu et fabriqué en Allemagne, à Gessingen, dans cette petite entreprise familiale. Elle est l'une des deux seules en Europe à réaliser ces plaques. Voici notre production. Ici, on fabrique, on forme, on soude les plaques en inox. Nous en sortons au maximum 20 par jour. Chaque plaque en inox est conçue pour descendre par le regard des égouts. Elles doivent pouvoir s'adapter aux différentes canalisations ainsi qu'aux différents débits des eaux. Ceci est une pièce pour de très grosses canalisations, pour un fort débit d'eau usée, pour des centaines de litres par seconde. Mais bien sûr, il y a aussi de très petites canalisations. Et la plus petite installation que nous avons faite jusqu'à présent est pour un débit de 7 litres par seconde. 7 litres par seconde, soit l'équivalent des eaux rejetées par une petite ville de 1000 habitants. Pour pouvoir installer ces échangeurs, censés durer 30 ans, une batterie de test est réalisée sur chaque plaque pour vérifier leur étanchéité et leur résistance. Une technologie qui pourrait bien révolutionner notre manière de se chauffer. Il y a une énorme masse d'énergie dans les eaux usées. Selon une récente étude de l'université de Stuttgart, on pourrait chauffer avec 10% des bâtiments de l'Allemagne. En France, pour le moment, seulement 20 quartiers sont équipés. Et Nanterre fait partie des pionniers. Retour dans cette ville pilote. Pour comprendre comment la chaleur arrive jusque dans les habitations, voici la deuxième partie du dispositif, la chaufferie, située sous un bâtiment de l'écoquartier. C'est ici que l'eau, qui transporte la chaleur des eaux usées, arrive. L'eau passe dans ces canalisations et arrive en amont de la pompe à chaleur. Et la pompe à chaleur va donc les utiliser avec un peu d'énergie électrique pour donner des calories thermiques qui vont donc être en quantité suffisante pour chauffer les bâtiments. La pompe à chaleur permet de produire une grande quantité de chaleur avec très peu d'électricité. Grâce à un système de compression et de détente de gaz, la pompe démultiplie les quelques degrés récupérés avec les eaux usées. Elle transfère ensuite cette énergie reçue à un circuit d'eau secondaire qui va chauffer les habitations. Notre eau qui était passée de 4 à 11 degrés va donc repartir dans le circuit de chauffage sous une toute autre température. En amont de la pompe à chaleur, nous étions autour de 11 degrés. Nous sommes là autour de 60 degrés à l'aval pour la partie eau chaude sanitaire et autour de 45 degrés pour la partie chauffage des bâtiments. Ici, ce sont près de 2000 habitants qui sont chauffés en partie grâce à cette innovation. À une échelle nationale, ce système permettrait de récupérer une énergie pour les besoins de près de 1 million de personnes et de réduire la consommation des énergies fossiles comme le gaz et le pétrole de 20%. Nous nous retrouvons sur les toits de l'hôpital Rothschild où je suis en compagnie de Bernard Tardieu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la commission énergie et changement climatique de l'Académie des technologies. Merci d'avoir répondu à notre invitation d'abord. Finalement, récupérer la chaleur qui se dissipe, c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps. Bien sûr, puisque c'est la première idée qui vient. Quand vous êtes en montagne dans une ferme, les vaches étaient au rez-de-chaussée, les gens étaient au-dessus pour ne pas laisser perdre la bonne chaleur des vaches. Dans tous les villages où il y avait un four à pain, quand le pain avait été cuit à haute température, on amenait son riz à cuire ou sa dinde à cuire. Donc le fait d'utiliser jusqu'au bout la chaleur,
C'est vieux comme le monde. Là, on change peut-être un peu d'échelle, puisqu'on fait ça au niveau d'un quartier ou au niveau d'une ville. Est-ce qu'on pourrait imaginer récupérer la chaleur des égouts de Paris, par exemple? Oui, bien sûr. Il faudrait analyser économiquement pour savoir la rentabilité du projet. Mais c'est tout à fait imaginable. Seulement, c'est plus facile de récupérer et d'utiliser de la chaleur à relativement haute température que la chaleur à basse température. Parce que la chaleur à basse température, il faut la faire remonter par des systèmes qui finalement ont des moteurs qui sont les pompes à chaleur. Finalement, il faut identifier des sources de chaleur importantes, voilà, qui puissent être utilisables. Quelles sont-elles? Vous avez tout ce qui est four, industrie, etc., qui a de la chaleur en trop. Alors ça se pratique déjà, c'est ce qu'on appelle la cogénération. Vous faites à la fois, par exemple, de l'électricité et de la chaleur, parce que vous avez quelqu'un qui achète l'électricité et quelqu'un qui achète la chaleur. Les centrales nucléaires, par exemple, dégagent beaucoup de chaleur. Est-ce qu'on pourrait imaginer la récupérer? Alors, on peut très bien récupérer soit de la chaleur relative à haute température, c'est la cogénération standard, ou bien vous allez tout à fait à l'aval récupérer la chaleur à basse température, et à ce moment-là, vous avez le même problème que celui qu'on citait tout à l'heure. Faut pas la transporter trop loin, parce que même si vous ne perdez que quelques degrés dans le transport, il y a un moment où vous aurez tout perdu. Ça veut dire que ça ne serait pas rentable de tirer un tuyau sur 100 km pour récupérer 3 degrés sur une centrale? Des réseaux, des grands réseaux de chaleur, il y en a très peu pour l'instant. À Paris, il y a des réseaux qui couvrent pas tout le monde, mais qui vont un peu partout. Donc c'est des kilomètres et des kilomètres. C'est des vieux réseaux qui n'ont pas la rentabilité des réseaux modernes. Mais c'est pas si fréquent que ça. Donc, il faut plutôt penser d'abord ville avec des réseaux de chaleur, comme il y a des réseaux de gaz et des réseaux électriques. Et à ce moment-là, on se met à avoir une conception. Je cherche des sources de chaleur pour vendre cette chaleur aux gens qui sont raccordés au réseau. Pour vous, une ville moderne, une ville qui se construit aujourd'hui, doit donc s'équiper d'un réseau électrique, d'un réseau de gaz classique, mais aussi d'un réseau de chaleur. Bien sûr. Une ville, c'est un ensemble de réseaux. C'est pour ça qu'on dit que c'est un système. C'est-à-dire que bien gérer, par exemple, les transports au sein d'une ville, c'est de l'intelligence, c'est de l'économie d'énergie à la fin, c'est de l'essence en moins, c'est du CO2 émis en moins aussi. Donc, avoir une vision de la ville comme un système énergétique, ça c'est une vision nouvelle. Et la chaleur est dedans. Selon vous, est-ce que les data centers sont effectivement une source de chaleur récupérable? Alors bien sûr, on peut très bien récupérer assez facilement la chaleur des centres de calcul. D'ailleurs, il y a des entreprises qui s'intéressent à cette ressource, et c'est notre bref du web. Nos ordinateurs pourraient aussi nous servir de radiateurs. C'est l'idée qui émerge face au développement des data centers. Ces usines du numérique abritent des serveurs informatiques très consommateurs en énergie. Des systèmes de climatisation tournent en permanence pour les refroidir, mais rejettent eux-mêmes quantité de chaleur. Depuis quelques années, des initiatives de récupération de cette chaleur sont mises en place pour alimenter le réseau de chauffage urbain alentour. En banlieue parisienne, depuis septembre 2012, un data center à Val d'Europe fournit en chauffage plus de 600 000 m² de bureaux. Plus étonnant encore, à Clichy, un autre data center alimente, lui, une serre dédiée à la production de fleurs. Avec l'explosion du nombre de ces centres de données, cette source d'énergie est promise à un bel avenir. Alors, est-ce que ces data centers sont une ressource prometteuse pour la récupération de chaleur? C'est une source de chaleur, donc il faut quand même penser que le chauffage est saisonnier et que les data centers produisent de l'électricité sans arrêter. Et que donc, on doit toujours avoir des systèmes à la fois de stockage pendant la saison de chauffe et une autre solution pendant la saison où on n'a pas besoin de chauffer. On ne peut pas récupérer la chaleur l'été pour l'utiliser l'hiver? Ça, c'est le rêve absolu. Beaucoup de gens travaillent sur le stockage thermique. C'est un sujet très très prometteur. Avant d'aller sur les très longs stocks, il faut quand même bien réfléchir. Bernard Tardieu, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et on se reverra peut-être pour reparler économie d'énergie. Et vous, vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview et des informations supplémentaires sur le site arte.tv/futurmag. Dans notre rubrique objet, nous partons maintenant en Inde pour y découvrir une innovation primée au Forum économique mondial de Davos. Il s'agit d'un système de réfrigération qui, sans accès à l'électricité, permet de refroidir et donc de conserver le lait, de quoi transformer la vie de millions d'Indiens. En Inde,
Le pays de la vache sacrée, le lait est une denrée essentielle de l'alimentation. Les enfants en sont les premiers consommateurs. Pour les fermiers, la plus grande difficulté est de conserver ce lait dans un pays où il fait chaud et où le réseau électrique fonctionne de façon aléatoire. Quand l'électricité est coupée pendant quelques minutes ou quelques heures, les réfrigérateurs cessent de fonctionner. Le lait non réfrigéré se dégrade et après 4 heures, il n'est plus consommable. En 2007, Sam White et Sorin Grama, deux ingénieurs américains, décident de s'attaquer à ce problème. Ils vont mettre 6 ans pour inventer un dispositif de réfrigération adapté au réseau électrique indien. Une solution qui va révolutionner l'industrie laitière qui fait vivre des millions de fermiers. La chose la plus importante que j'ai apprise en Inde, c'est qu'on ne peut pas avancer tout seul. J'aurais aimé savoir ça avant, car tout ce qui pouvait aller de travers dans le développement de cette technologie et son déploiement est effectivement allé de travers. À 3 heures de route de Bombay, Sorin Grama a rendez-vous avec Dattataré Bindu Patil, propriétaire de Bufflon. Il traite ses bêtes 2 fois par jour, comme tous les fermiers, pour vendre ensuite son lait à une coopérative laitière située à Manora, un village à quelques kilomètres de chez lui. 5 Chaque Bufflon donne 5 litres de lait. J'en ai 3, ça fait 15 litres par jour. Nous sommes 2 à travailler avec ma femme. C'est moi qui apporte l'herbe aux animaux. Grâce à elle, nous produisons un lait d'excellente qualité. Dans la coopérative où Dattataré vend son lait, il n'y a pas de réfrigérateur. Le lait est laissé à l'air libre pendant plusieurs heures avant d'être acheminé vers les grandes compagnies laitières. Il faut une demi-heure pour apporter le lait à la coopérative de Manora. Une fois là-bas, le lait n'est toujours pas réfrigéré. Il reste là pendant 3-4 heures avant d'être vendu à une laiterie. La qualité du lait se dégrade pendant ce temps-là. Vous ne pouvez pas garder le lait plus de 4 heures sans réfrigération. Après, on ne peut plus le consommer. Faute de réfrigération à Manora, les acheteurs refusent le trop-plein de lait apporté par les éleveurs car ils ne peuvent pas le stocker. C'est donc pour eux une perte sèche de revenus. Pour bien comprendre le problème, Sorin Grama et Sam White ont passé du temps avec les fermiers et ont découvert un circuit de collecte du lait bien éloigné du système occidental. On a vu comment le lait a été collecté. Ce n'était pas du tout hygiénique. Le lait restait des heures au soleil. On calculait le temps entre le moment où le fermier faisait la traite et le moment où le lait arrivait à la coopérative. On arrivait au centre de collecte 4 heures plus tard. Le nombre de bactéries devait être très important. On n'avait rien pour faire des mesures sur le terrain, mais on savait que le lait n'était plus bon. Alors comment aider ces fermiers qui voient leur lait gaspillé juste pour un problème de réfrigération ? Sorin et Sam ont inventé un système de refroidissement qui fonctionne même avec une électricité intermittente. Direction l'usine de Bombay, où travaille une vingtaine d'employés. Sorin nous explique comment fonctionne leur invention. On utilise un système de refroidissement pour faire de la glace à l'intérieur de cette batterie. Et ensuite, on fait fondre la glace pour refroidir le lait. C'est très simple. Le refroidisseur est composé de 2 parties. Un compresseur pour faire fonctionner une batterie thermique et un dôme métallique pour refroidir le lait. Un fluide refroidi par le compresseur circule en permanence dans la batterie thermique. Ce fluide a la particularité de geler et de dégeler constamment pour créer du froid. Un liquide qui circule dans le dôme métallique passe dans la batterie thermique pour être refroidi au contact du premier fluide. Il retourne dans le dôme, dont la surface est du coup totalement glacée. Lorsque le lait est versé dessus en une fine pellicule, sa température baisse d'un seul coup. Et en quelques secondes, le lait est ainsi réfrigéré à une température d'un degré Celsius, prêt à être stocké en bidon pour le transport. L'intérêt de ce dispositif dans un pays comme l'Inde, c'est qu'il peut fonctionner sans électricité pendant plus de 4 heures grâce à l'autonomie de sa batterie thermique. Démonstration. Les deux associés vont maintenant faire le test de leur invention, mais cette fois en remplaçant le lait par de l'eau. Le liquide est à 33 degrés 6. C'est à peu près la température du lait qui arrive ici. Ça dépend de la saison, il peut varier entre 31 et 35 degrés. Quand on fait couler l'eau à la surface, elle se refroidit instantanément. Ici, on mesure la température à la sortie. L'eau est à 1,8 degré. 30 degrés de moins en quelques secondes.
des degrés en moins qui permettront de conserver le lait dans de bonnes conditions. Pour réaliser cette prouesse, les deux ingénieurs ont dû parcourir un chemin semé d'embûches. Et les fausses pistes ont été bien nombreuses. On a commencé à développer un refroidisseur qui fonctionne à l'énergie solaire. Mais on s'est rendu compte que ce refroidisseur coûtait trop cher et qu'il était trop gros pour être installé. On a dû admettre que l'énergie solaire n'était pas la solution. Après 2 ans de recherche, ils construisent un nouveau prototype avec l'idée de la batterie thermique. Mais elle est beaucoup trop grosse et c'est encore un échec. On est allé dans le bureau du responsable de la laiterie et il a dit une phrase qui nous a semblé incompréhensible à l'époque. Il a dit « Les gars, j'ai appris beaucoup de mes erreurs. » Il parlait de lui et de son expérience. Et il a dit « C'est en échouant qu'on finit par réussir. » À force de persévérance, ils multiplient les prototypes et réussissent enfin leur pari. Les coopératives laitières décident d'équiper 35 villages avec des refroidisseurs à 6 500 € l'unité. Une somme amortie en 5 ans. C'est le cas à Amrapur, un village où une quarantaine de fermiers vient y déposer leur lait. Là, on est dans un village près de Bombay, où l'électricité n'est pas fiable. C'est un village où l'on produit du lait et où une coopérative laitière vient le collecter. Dans un village indien typique, vous avez 8 heures de courant intermittent. L'électricité est un problème. Elle est disponible, mais pas 24 heures sur 24. On en a rarement l'après-midi. Ce système est bien, car quand on n'a pas d'électricité, les batteries sont chargées et on peut refroidir le lait. Pour les fermiers, ce refroidisseur, c'est la garantie d'un revenu régulier. Car ils savent que grâce à lui, leur lait ne sera pas perdu. Aujourd'hui, les fermiers de notre village ont pris conscience de la quantité de lait qui était gâchée et jetée. On ne pouvait pas vendre tout notre lait. Et on en gâchait trop, on était mal payé. Maintenant qu'on peut préserver le lait, on peut gérer l'abondance, car on est sûr de tout vendre. Cette invention a un bel avenir devant elle. Samoa et Sorin Grama ont déjà prévu d'installer 400 autres refroidisseurs dans le pays. D'une manière générale, dans les pays en voie de développement, la conservation des denrées alimentaires pose un problème. Et vous allez voir qu'à ce sujet, les innovations fleurissent un peu partout sur la planète. Et c'est notre bref du web. Quel rapport entre un aimant et un frigo, si ce n'est les souvenirs qu'on colle sur la porte? Le frigo de demain pourrait fonctionner grâce à un aimant. Cette technologie repose sur l'effet magnétocalorique des métaux connu depuis le 19e siècle. Lorsqu'on rapproche un alliage de métaux d'un aimant, il se réchauffe. Et quand on l'éloigne, il refroidit. Ce système a l'avantage de ne pas nécessiter l'utilisation de gaz dangereux pour l'environnement. Contrairement à nos réfrigérateurs actuels, de nouveaux matériaux donnent des résultats prometteurs. Silencieux, sans vibration et plus économe en électricité, ce frigo d'un nouveau genre pourrait bientôt peupler nos cuisines. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission qui se poursuit évidemment sur les réseaux sociaux et sur arte.tv/futurmag. N'hésitez pas à vous y rendre. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut, und bis bald.